France 2, je m'appelle Mathieu Madénian, l'émission c'est Génération Paname. Pendant plus d'une heure, je vais vous présenter la nouvelle génération de stand-uppers et de stand-uppers, tous issus du Panama Café, le comedy club le plus prestigieux de la capitale. Donnez-leur de la force, s'il vous plaît. Quel plaisir. C'est incroyable. C'est un pari, on a réussi le pari, c'est les 11e génération Paname. Vous vous rendez compte, 11 génération Paname. On espère faire le 12e, ça dépend pas de France 2, ça dépend de Poutine. Voilà, c'est lui. Si ça se trouve, quand ça sera diffusé, on sera tous morts, j'en sais. Vous vous rendez compte, il y a une guerre à 2000 km d'ici, et là, on est là. 2000 km, c'est un peu comme si on était à Paris, et à Kiev, il se faisait bombarder. En fait, c'est ça, c'est ça. Mais je crois qu'on l'apprend bien, cette guerre, parce qu'il fait beau. Et c'est vrai que c'est plus agréable. Quand on nous dira, c'était comment la guerre en Ukraine? On a eu un temps magnifique, vraiment. C'est à côté. Parce que quand c'est au Bangladesh ou au Pakistan, on s'en fout un peu. Mais là, c'est les mecs, on les connaît. Il y a une équipe de foot ukrainienne, Donetsk, qui est en Champions League. Ils jouent. Ils sont dans la poule du Real de Madrid. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Les mecs, ils se font massacrer toute la journée par les Russes. Le soir, ils se font massacrer par Benzema. Et ils se plaignent pas, les footballeurs ukrainiens. Ils sont pas là à dire « Ah, je suis pas à mon poste sur le terrain. L'entraîneur, il m'écoute pas. » Enculé d'Mbappé. En tout cas, je suis marseillais. Ça ressort. Excusez-moi, ça va. J'ai le droit. Allez-y, sifflez-moi. Je m'en fous, j'assume. Allez-y. En tout cas, c'est cool. Alors, je remercie les téléspectateurs de France 2 qui nous regardent et qui n'ont pas zappé parce que juste avant l'émission, il y avait Rendez-vous un temps inconnu. Voilà. Je ne savais pas que ça existait. Des gens connaissent Rendez-vous un temps inconnu? Vous connaissez le concept de l'émission? Ils prennent une star, une célébrité, ils l'amènent dans un endroit où elle n'est jamais allée. Ils ont fait ça avec Adriana Carambeu. Ils l'ont mis dans une bibliothèque. Elle était là. Non. C'est merveilleux. C'est ça, des livres, alors? Moi, j'aimais bien Rendez-vous inter inconnu et puis après, j'ai lâché parce qu'ils ont invité Gilbert Montagnier. C'est pas se foutre de notre gueule, Gilbert Montagnier. Rendez-vous inter inconnu, ça fait plaisir à qui à part le Labrador, sans déconner? Le mec, ils l'ont aimé dans l'Himalaya. Amenez-le chez Picard, il verra pas la différence. Alors, C'est pas tout à fait Rendez-vous inter inconnu, c'est Notaires inconnus, c'est une version low cost. Parce que Rendez-vous inter inconnu, ils amènent les mecs, tu sais, en Amérique du Sud, en Afrique. Là, ils ont amené, ils ont amené Claudio Capeo dans le Vercors, ils l'ont amené. Voilà, j'ai pas de blague, c'est juste ça, la blague. Non, mais il y a des restrictions budgétaires sur France 2 partout. Fort Boyard, restrictions budgétaires, ils ont enlevé les tigres. Ils ont gardé les nains, par contre. C'est moins cher à nourrir, peut-être, je sais pas. Ça va, je me fous pas de la gueule des nains. France Télévisions se fout de la gueule des nains. Le nain dans Fort Boyard, il s'appelle comment? Passe-partout, c'est pas se foutre de sa gueule? Mais c'est super raciste, appeler un nain Passe-partout. C'est comme s'il y avait un chinois appelé bol de riz dans le truc. Et je me moque pas de Fort Boyard parce que moi j'ai participé à Fort Boyard. Des gens m'ont vu dans Fort Boyard? Bah donc. Merci, merci beaucoup pour mon ego, ça fait plaisir. Moi, j'étais chef d'équipe, je vous raconte. Dans mon équipe, il y avait Moundir. Il est sympa, Moundir, mais il était très motivé par l'émission. Quand il est arrivé, il m'a dit, Mathieu, s'il en reste qu'un, je veux faire partie de ce dernier. OK, tu feras pas les énigmes. Mais par contre, c'est pas truqué, Fort Boyard. À un moment donné, je me suis retrouvé dans un endroit, ça pue, tu bouffes de la merde. Et là, je te parle que du trajet en TGV pour aller à La Rochelle. C'est chaud quand même. Hein. En tous les cas, Génération Paname, pas de restrictions budgétaires, puisqu'on n'avait pas de budget à la base. Vous allez vous marrer, sympa. Merci à vous, Public de la Cigale, d'être venu. Il y a des gens qui sont venus en voiture, c'est la galère. Il y a des gens en voiture? Voilà, regarde. Tous les autres, ils te regardent. Comment ils ont eu de l'essence, ces enculés? Vous avez vu les bagarres aux stations-service? Vous êtes bagarrés un peu ou pas? Moi, ouais. Il y a un mec qui m'a coupé la route à la station. Je l'ai sorti son véhicule, je lui ai défoncé sa gueule comme ça. Après, je me suis calmé, je l'ai remis dans son fauteuil roulant, mais parce que... Alors ça vous choque, les paraplégiques, hein? Les nains, c'est rigolo, c'est facétieux, mais les personnes paraplégiques, non. Vous savez pourquoi on peut se moquer des nains et pas des personnes paraplégiques? Parce qu'on sait tous dans ce salle que si un jour on a un accident, on peut devenir paraplégique.
alors que nain. C'est peu probable. Jamais t'es un nain, tu fais alors comment c'est arrivé? Oh putain. La voiture a dérapé, j'ai fait 3 tonneaux, erreur de bordel. Mon fils ne marchera plus, il marchera madame, mais beaucoup plus bas. En plus, je sais même pas me battre. Dès qu'il y a du conflit, moi je fuis. Une fois, j'ai failli me battre. Enfin, c'est dans le métro, il y a 3 mecs qui m'ont pris mon sac. Tu sais, je les ai poursuivis, tu vois. Et en courant, je me suis dit, si je les rattrape, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je serais arrivé comme ça. Tenez, le portable. Vous avez oublié le portable. Vous êtes prêts à commencer la soirée, mesdames et messieurs? Une ovation pour Antoine Tartras, s'il vous plaît. C'est bon, ça va ou quoi? Quelle ambiance incroyable, messieurs, dames, vous êtes trop chaud. Vous venez d'où un peu ce soir? Ça marche. Bah écoutez, ça fait plaisir, moi je viens de Maubeuge. Ouais, ça met jamais une bête d'ambiance, ça, t'as vu? Jamais les gens sont contents, quoi. Non, Maubeuge, c'est une petite ville dans leur Pas-de-Calais, maintenant tout va bien, j'habite à Paris. Et j'ai des potes de Maubeuge, ils me disent, mais pourquoi t'es parti à Paris? C'est toi, pourquoi t'es resté à Maubeuge? Rien à faire là-bas. Après, j'ai kiffé le Nord, hein. J'étais au chômage. Moi, j'ai kiffé le chômage, c'était ma meilleure expérience professionnelle. Juste, ma grand-mère, elle l'a mal pris parce que, soi-disant pour elle, j'étais un assisté qui profite des aides de l'État. J'avais envie de lui dire, meuf, t'es à la retraite. On est dans la même situation, toi et moi. Sauf que moi, je gagne plus. Donc remets-toi en question, mamie. Ce que je vais te balayer, en fait, mamie, tu parles mal. Moi, je les respecte plus, les vieux, je leur laisse plus ma place dans le métro. Vas-y, reste debout, ça t'entretient, voilà. Fais des squats un peu, fais des squats. Carrément, je prends le bus, au moins, je les vois zouker comme ça, directement. Mais moi, je suis là, bien le rythme, Josiane, c'est ça. Sans musique, c'est fort. Putain, on passe un bon moment, là. Après, je préfère être riche, quand même, je vous dis la vérité. Ça me fait plaisir de vous parler, je préfère être riche. Mais le problème, c'est que j'ai fait un BTS management des unités commerciales. C'est l'équivalent du brevet des collèges, en gros. Il y a un taux de réussite de 110% en BTS MUC, c'est incroyable. Pendant 2 ans, t'apprends à faire des plannings. Voilà. Avec des questions du style « Sébastien est disponible mardi. Quel jour devrait-il travailler ?» Je sais pas, le mardi. Bravo ! Vous avez votre BTS MUC. Je l'ai pas eu, le BTS. J'ai coché la mauvaise réponse. J'ai paniqué. Eh, quand t'aimes pas le BTS MUC, très compliqué de trouver du travail. Moi, une recruteuse, elle m'a proposé un taf à 800 euros brut par mois. Brut. Et elle me pose des questions, la confiance en elle. Elle est à l'aise, elle se gratte les couilles, vraiment. Elle me dit, comment restez-vous en situation de stress? Bah, madame, avec 800 euros brut par mois, je suis tout le temps stressé, madame. Elle me dit, pourquoi vous et pas un autre? Je dis, bah là, je me pose la même question, en vrai. Elle me dit, si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? J'ai dit, je t'encule avec la baguette, madame. Je te la mets dans le huc. Vas-y, fais un vœu, madame. Voilà. Elle me dit, mais tout va bien, vous avez droit à moins 50% sur le pass Navigo. Je dis, bah là, on est sauvés, madame, on est sauvés. Elle me dit, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Je dis, j'ai toujours la baguette magique, par contre, madame. Fais très attention à ce que tu fais, quand même. Non, moi, j'ai fait tous les tafs où la seule compétence requise, c'était d'être présent, quoi. Je devais être là, quoi. À un moment, j'étais hôte d'accueil. Je devais dire bonjour, quoi. C'est... bonjour. 1200 euros, voilà. C'est... Après, des fois, je paniquais parce que les gens, ils arrivaient tous en même temps. J'étais là, bonjour. J'ai appelé le siège social. J'aurais dit, envoyez-moi du renfort. Je vais jamais m'en sortir, là, messieurs, dames. 2 jours de formation pour apprendre à dire bonjour. Un jour, je me suis chauffé, j'ai dit bon appétit. Je me suis dit peut-être je vais avoir une promotion. Pas du tout, ils m'ont viré, ils m'ont dit tu prends trop la confiance, aucune initiative personnelle. Putain, on passe un bon moment là quand même. Après, je préfère être riche quand même, je te cache pas. Quand t'es riche, moi je pense que c'est fini, t'es plus timide, hein, je te dis la vérité. Je sais pas, y a des gens timides un peu ce soir? Ouais, souvent ils osent pas répondre à la question. Y a une sortie de secours? Moi, je vous dis, méfiez-vous des gens timides, méfiez-vous, parce que toute la journée, ils sont là, ça va, tu vas bien, ouais, ça va, tranquille, ouais, ça va. Et après, ils se retrouvent entre gens timides et ils taillent tout le monde, ces bâtards, c'est ça qu'ils font. Et ils y vont à fond, ils sont là, te rends compte, à mettre ça que sa tête carrée, je suis sûr, elle est finie à la pisse, elle touche la côte au rêve, tu es dans ce cas de vérité.
Waouh, tu vas rien faire, t'es timide, Jocelyn. Rentre chez toi, prends une douche. Pour moi, c'est les timides qui mettent des mauvaises critiques sur TripAdvisor. C'est parce qu'ils ont pas osé dire que c'était pas bon. Après, rentre chez eux, ils sont là, à fuir, à fuir. Fuyez, fuyez. C'est des fous, les timides. Demandez jamais l'avis d'un timide. Tu vas dire, t'aimes bien mon pull. Il va dire, ouais, franchement, il va bien, le pull au top, le pull, ouais, ça va. Il va rentrer chez lui à faire, le problème, c'est pas le pull, c'est ta gueule, le problème. Non, hé, hey, petite expérience sociale, faites boire de l'alcool à un timide un jour, c'est exceptionnel. Moi, je vis pour des moments comme ça. Toute la soirée, là, on passe une bonne soirée, hein, c'est cool, la musique et tout, des bars. D'un coup, il boit, il se lâche, il dit des dingueries, là. Je t'ai raconté le jour où j'ai ken une chèvre. Bah, on comprend mieux pourquoi t'es timide, Jocelyn. T'es chelou, en fait, t'es chelou. Le pire, c'est le timide qui drague, c'est sûr, mesdames, vous l'avez déjà vu. Toute la journée, il dit que des banalités, ça a pas l'air facile ton travail quand même, hein. C'est stressant, moi, ça. Et d'un coup, il dit un truc bizarre. Ça te dit, on prenne une douche ensemble? Bah, on est en réunion, là, frérot, donc. Rhabille-toi quand même. Mais après, je vois, il y a des gens timides, ils se disent, putain, on se fait tailler, on a rien fait. On est tous timides à un certain degré. Moi, le premier, il y a pas longtemps, je suis parti chez le coiffeur. Il m'a raté, j'étais dégoûté. Je sais qu'il m'a raté parce que quand il a pris le miroir, il a fait ça. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Ça vous plaît? Et moi, je vois le résultat, je fais, wow, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux oser dire, je fais, ça va. Vous avez de l'or dans les mains, vous, hein, c'est. Je suis rentré chez moi, j'ai googlé le coiffeur, j'ai mis à fuir, à fuir. Merci, j'ai passé un bon moment avec vous, merci beaucoup. Merci, c'était top. Le prochain, c'est un pur produit du Paname, Islem Seili, s'il vous plaît. Ça flouze, ça flouze, ça flouze. Bonsoir, ça va? Vous allez bien encore? Waouh, je suis trop content d'être là. Moi, je me présente, je m'appelle Islem. Mon rêve, c'était de partir vivre aux États-Unis. Je l'ai fait, je suis parti vivre aux États-Unis, j'en reviens là. Et il y a un truc qui m'a choqué aux États-Unis directement, c'est que là-bas, il n'y a pas de galette des rois, frère. Voilà, c'est tout. Et tu sais pourquoi il n'y a pas de galette des rois? Parce qu'ils ont peur que quelqu'un avale la fève et meure. Voilà. C'est la même raison pour laquelle il n'y a pas de Kinder Surprise aux États-Unis. Ils ont peur que quelqu'un mange le jouet et meure. Voilà, c'est pour la sécurité. Il y a une arme à feu dans chaque foyer, frérot. Mais il n'y a pas de Kinder Surprise. Tu sais, en plus, ils préviennent, tu vois, dans Kinder, il y a surprise. Il y a une putain de boule jaune qui dit, frère, me mange pas, je suis un jouet, tu vois. L'enfant qui meurt parce qu'il a mangé le jouet du Kinder Surprise, bah, là, il méritait de mourir, tu vois. Il allait pas faire de hautes études, il est con, quoi, ce bâtard. C'est quoi son plan? Il mange le jouet, il joue avec le chocolat, ce que non, c'est ça le plan? C'est-à-dire, quand il mange une orange, il mange les plus jures, il jette l'orange, meurt, frère, qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas les gosses, ça va ou c'est bien ou quoi? Je suis un petit peu énervé. Mais j'aime bien les États-Unis, mais ils peuvent pas dire que c'est le pays de la liberté, jamais de la vie. C'est la France, le pays de la liberté, on est d'accord. Nous, on est trop fous, on peut pas nous interdire des trucs comme ça. T'imagines demain Macron, il parle et il dit, ouais, on arrête la galette des rois, c'est trop dangereux. Le soir même, Mélenchon, il envoie un meeting, direct. Moi, j'aime trop Mélenchon, ça se voit, il fait des échauffements, tu vois. Et il regarde Macron, il dit, vas-y, dis une dinguerie, frère. Et ouais, moi j'aime bien, et c'est à l'image de la France, tu vois, parce qu'on est chiant à gouverner, on est d'accord, on est chiant à gouverner. Et moi je suis fan de cet état d'esprit, parce qu'avec ça on a conquis des droits de ouf, on se rend pas compte. Par exemple, la France c'est un des pays où il y a le plus de radars, ça il est flash, ok. Mais nous on est tellement chiant, on a négocié qu'avant un radar, mais faut nous prévenir. Parce que le concept du radar, frérot, c'était un petit peu le flagrant délit. Mais nous, on est arrivés, on a dit, non, faut nous prévenir, comme ça, avant, on freine. Comme ça, vous nous flashez pas. Et on se fait flasher, voilà. Ça veut dire, on voit le panneau, tu vois. On voit le panneau qu'on a demandé, mais quand on le voit, on dit, non, tu me dis pas ce que je dois faire. Je suis français, moi, ok. Et quand on se fait flasher, voleur. Mais voleur, j'ai freiné, je viens de freiner. C'est l'intention qui... Je m'en fous, je vais voter Zemmour ou Le Pen. Ou les deux. Aucun sens. En plus, quand tu te fais flasher, il y a une grosse lumière sur toi. Tout le monde sait que c'est toi, c'est humiliant, frère. On dirait, ils vont ramener BFM. Bah voilà, c'est le Goldman qui s'est fait flasher, voilà. Et moi, la vérité, quand je me fais flasher, je deviens teubé, tu sais, je deviens con. On dirait, ça aspire mon intelligence, tu vois. Genre, tu sais, genre, je roule, je fais mon excès vitesse, je me fais flasher, et dès que je vois le flash, je freine. Mais c'est pas fini, dans ma tête j'ai quelque chose à prouver. Je mets les deux mains sur le volant. J'adopte une conduite courtoise. Je mets le dos droit. Tu sais, comme si le radar il allait dire, oh, il a changé frérot là, non?
Non, il a changé. Non, on annule, il a mis ses clignotants, c'est un mec bien. Aucun sens. Moi, j'aime pas me faire flasher, la vérité. Par contre, quand un mec devant moi se fait flasher, je suis content. Je suis là, je fais ah, cher. Un peu plus d'argent pour les collectivités. Avec ça, on va refaire les routes, je sais pas. Et vous? Et tu sais, je me fais des faux espoirs en plus, tu vois. Genre, je vois le flash, je sais que c'est moi, et je me dis, oh, peut-être c'est pas moi, tu vois. Même si la route, elle est vide, il y a que moi, je vais dire, le pigeon roulait vite, quand même. Il mérite une sanction, ça n'a aucun sens, tu vois. Et tu sais, après, je rentre chez moi, j'ouvre la boîte aux lettres, je fais, ah, j'ai pas reçu l'amende. Peut-être ils m'ont oublié. Ils oublient personne, frère, sache-le. Sache-le jusqu'à que tu reçoives la lettre de la République. Vous connaissez la lettre de la République? Il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Ton cerveau à toi, il lit que problème, 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 frère. Il y a la Marianne, elle est comme ça, cheveux au vent. Mmh. Bah, tu vas payer, voilà. Et maintenant, tu peux payer tes amendes en ligne, c'est bien, c'est pratique. C'est pratique, en plus, ça coûte moins cher. Et quand tu payes ton amende en ligne, à la fin, il y a un questionnaire de satisfaction. C'est un truc de sadique, ça. Qu'est-ce que tu vas être satisfait, la vérité? Tu sais, c'est comme si un mec, il te défonce dans la rue, mais il te défonce bien, tu vois. Et pendant qu'il se lave de ton sang, il te regarde du frérot. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, la vérité? Allez, je vous remercie, Panda, vous étiez super, merci. J'étais pas mal de plus, je m'appelle Issel. C'est le Eddie Murphy du 11e arrondissement, Julien Sabas. Bonsoir, la cigale, est-ce que ça va? Merci, merci, merci. Je suis très content d'être là, merci. J'ai envie de parler un peu à ceux qui échouent, un peu à la jeunesse, tu vois. J'ai envie de leur dire, de toute façon, tu sais, l'échec, c'est pas grave, après, c'est qu'une étape vers la réussite. Moi, je repense à quand j'étais plus jeune, tu sais, quand j'avais 18 ans, après le bac. Tu sais, t'as pas d'expérience, pas de compétences. Moi, je me suis dit, j'ai pas d'expérience, pas de compétences. Normalement, si je vais au McDo, ils vont me prendre. Je vais au McDo et j'ai passé 5 entretiens dans 5 McDo différents. Et aucun m'a pris. Ok, c'est pas tout le monde qui a compris, je vais reprendre. J'ai fait 5 McDo, 5 entretiens. Personne m'a pris. Non mais est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire recaler par une enseigne qui a pour slogan « Viens comme tu es » ou « Je suis venu comme je suis » et ils m'ont dit « On n'aime pas ce que tu es ». Tu sais comment ça fait mal? C'est ça, on est d'accord pour dire que le McDo, quand tu commandes, t'es obligé de vérifier ta commande, vrai ou pas? Hein? Parce que sinon, il y a des surprises. Tu sais, tu commandes un Big Mac, t'ouvres ton sac, il y a un vélo. Et... Attends, il n'y a pas longtemps, vrai, d'accord, je commande, je rentre chez moi, je suis content. Je vais pour manger mon burger. Il n'y a pas le steak. 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 Je me suis dit, wesh, j'ai perdu le steak. Tu sais quoi, j'ai cherché le steak comme si je cherchais mon portable. Je fais, attends. Là, je suis devenu fou. À un moment, je me suis dit, en vrai, si je fais le chemin retour, il y a moins, je le trouve sur la route. En vrai. C'est, y a pas le steak, y a pas le steak, y a pas le steak. Et en plus, je peux même pas retourner au McDo, parce que je leur dis quoi? Je leur dis, y a pas le steak. Il va me dire, t'as mangé le steak. Quoi? Mais pourquoi je mangerais le steak? Je sais pas, pour avoir deux steaks. Quoi? Y a pas le steak, y a pas. Ah, c'est une folie. Et dites-vous, ce jour-là, y avait un cuisinier. Il s'est passé quoi en cuisine? Genre, il a oublié l'ordre, il s'est pas... Il était là comme ça, il a fait « Ah ouais, c'est chaud là !» Il a fait « Ah ouais, ok, ok, ok. » Ok, on panique pas, on panique pas. On n'oublie pas le pain comme la dernière fois, on n'oublie pas le pain. Ok, on va répéter, on va répéter. Ça fait... Pain ? Salade ? Tomate ? Pain ! Et il m'a envoyé, tu vois ou pas ? Il m'a envoyé pain, 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 pardon, pain. Vous voyez la folie ou pas? Et le pire dans cette histoire, quand même, je rappelle, c'est que lui, ils l'ont pris. Et moi, ils m'ont pas pris, quoi. Vous comprenez ou pas? Vous voyez la folie? Ils m'ont pas pris. 5 entretiens, je rappelle. Il s'est passé quoi à la fin des entretiens? Les RH se sont dit, non, lui là, il va envoyer des boîtes vides. Tu vois, ils m'ont pris. Mon riz pour un teubé. Pour ça, il y a des métiers, on peut pas faire. Visiblement, McDo, moi, je peux pas. Et moi, je sais, tu vois, il y a un métier, je peux pas faire, je peux pas être policier. Ça, je peux pas. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis pas courageux. Premièrement. Et deuxièmement, j'avoue, quand il y a la police, je suis pas serein. Est-ce que...
Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas sereins comme moi, un peu? Ouais? Ouais, pas sereins. Attendez, attendez. Est-ce que c'est parce que comme moi, genre quand il y a la police, vous vous dites, ça se trouve, j'ai du shit. Non? Je sais pas. Je fume même pas. Je sais même pas rouler. Mais à chaque fois, je me dis, en vrai, on sait jamais. Non? En tout cas, ou pas? Attends, il y a pire encore, j'ai un pote. Si on est en voiture, on est en train de rouler, on passe à côté de la police, il me fait, roule comme si on n'avait rien fait. J'ai dit, quoi? Et si il fait la grimace, Yaga, ah. J'ai dit non mais on a rien fait, ah tu sais pas, si je sais, si, on a rien fait. Mais c'est ça mon problème, je vais vous dire, j'ai pas peur de la police, d'accord? J'ai pas peur de la police, j'ai peur de moi face à la police. Vous voyez la nuance? Parce que je fais des projections. Vous voyez les projections, ce que c'est? J'ai expliqué, par exemple, la semaine dernière j'avais ma nièce dans les bras et je me suis dit, si là, je la lâche, est-ce que, non, vous faites pas ça? Ah. Non, projection, non. Ou c'est comme quand ton pote il te parle, il raconte ses histoires et tu te dis, si là je le gifle, est-ce que notre amitié elle va tenir? Non, jamais vous, jamais. C'est ça dont j'ai peur, les projections. Parce que je me connais, je sais un jour, tu sais, je suis un peu pompette, je suis en voiture, ils me mettent sur le côté, ils me font, monsieur, vous avez un suspect? Je peux dire, peut-être, tu vois. Et il va me taser, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va me taser, je vais me chier dessus. Vous savez que lorsqu'on vous tase, vous pouvez vous chier dessus, vous le savez. J'ai pas envie d'arriver en garde à vue et devoir expliquer pourquoi j'ai déféqué sur moi. J'ai pas envie de ça. C'est pour ça, parlez bien, parlez correctement. Ma mère, elle est insolente, ma mère, elle parle beaucoup. Si demain, elle et moi, on se fait contrôler, moi, je suis serein. Parce que c'est elle qui va se faire taser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle sera en train de trembler par terre. Ça va, maman? Et je vais me rapprocher de monsieur l'agent. Non, mais vous avez raison. Que parle? Que la Jacques, augmentez un peu pour voir, augmentez un peu. Non, elle mérite. Non, c'est vrai, je suis pas serein. Tu sais, je vais te dire une chose, il y a pas longtemps, je me suis fait contrôler en voiture et tout s'est bien passé, vraiment, tout s'est bien passé. Mais, projection. Tu sais, il arrive comme ça à côté de ma portière et je vois son arme à côté et je suis en mode, non. J'ai envie de toucher, mais s'il me touche, ça fait mal, j'ai pas envie. Et je vois là, juste à côté, son taser. Et surtout, je vois ses grosses couilles près de ma portière. Je me dis, un geste malheureux, tu sais pas, comme ça. Et ça va, monsieur l'agent, vous allez bien? Comme si de rien n'était. Je sais pas ce que je fais. Je touille peut-être. Peut-être guili-guili, je sais pas. Longue journée, monsieur l'agent. Longue journée. Non, mais c'est vrai. Non, je me dis, peut-être que nous, on fait un pas vers eux. Peut-être qu'ils devraient faire un pas vers nous aussi, tu vois. Je sais pas, genre par exemple, ils devraient nous annoncer aussi les bonnes nouvelles. Ça serait cool, ça, hein? Genre lorsqu'on récupère nos 12 points. Non, ça serait pas cool? Si, tu sais, t'es en voiture, il te met sur le côté, il arrive comme ça, il prend ta carte d'identité, merci. Il va voir son collègue, il met sur l'ordinateur. Mais non. Il est comme ça, il fait... J'en connais un qui a récupéré tous ses points. Oui! Ça fait du bien ou pas? On sera à l'aise! Attends! Ou pire, attends! J'ai vu encore. Peut-être qu'ils devraient venir nous faire des blagues. Tu sais, ils arrivent chez toi, ils toquent. Bonjour! Qu'est-ce que Johnny qui attend? Jonathan? Comme votre fils, il vous attend à la morgue. Non, too much, c'est pas drôle? Ah, mais c'est la vraie vie en fait. Merci beaucoup, passez une excellente soirée. C'était Julien Sabat. C'est ce qu'on fait de mieux à Perpignan après Cali et le tueur de la gare, Sophia Bellabès. Allez, ça y est, doucement, calmez-vous. M'ambiancez pas trop, hein. Non, parce que moi, vous connaissez pas, si on m'ambiancez trop, hop, je twerk, voilà. Arrête, c'est un conseil. Non. Arrête. Je vous jure, c'est un conseil que je vous donne. Personne n'a envie que je twerk. Sauf toi, monsieur. Ça, vous allez bien? Oui. Allez, tiens, par applaudissement, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des gens blindés dans la salle? Ah ouais? Ça m'intéresse, hein, parce qu'en ce moment, je vous mens pas, j'ai un nouveau délire, j'ai envie d'être millionnaire. J'ai pété un câble, je veux être millionnaire, parce que je suis tombée sur une interview, je sais pas si vous avez la référence de Nathalie la vieille de Secret Story. Si, même elle sortait avec un jeune, il ressemblait à Sid dans L'âge de glace. Vous avez la ref ou pas?
Bon, par applaudissement, qui a la ref ici? Eh, hey, tu vois, je savais, il y avait des cassos dans la salle. Je savais, on est dans la même équipe, attention. Hein. Eh ben, hey, vous savez que Nathalie, elle est devenue millionnaire grâce à un site qui s'appelle OnlyFans. Vous connaissez ou pas OnlyFans? Ouais, il y en a, ils veulent plus dire, hein. Hein? Bon, en fait, OnlyFans, c'est une application où les gens, ils vendent des photos et des vidéos à des abonnés, OK? Mais les gens, ils payent pour voir ça. Et quand je dis photos, vidéos, ah, je parle pas de paysages de montagne, hein. Ah non, non, c'est des gros schnecks en 4K, OK? Qu'on soit tous d'accord là-dessus. Et tu sais, moi, je me dis, c'est fou d'arriver à être millionnaire grâce à ça. Tu sais, moi, j'ai 27 ans, j'ai pas trop d'argent. Ça y est, je commence à me dire, est-ce que je serais capable de faire ça, tu vois? De vendre des photos de mes yep, des culottes sales à des gros dégueulasses. Non, et franchement, pour 1000 euros, je le fais. Qui est chaud, je suis chaud. T'es chaud, monsieur? Je suis chaud. Non, mais c'est vrai, quand tu penses, Nathalie, quand elle poste une photo sur OnlyFans, elle se fait 5000 euros. Eh, moi, je poste une photo sur Instagram, je perds 4 abonnés, il y a 2 personnes qui m'ont signalé. Le calcul est vite fait. Bah ouais. Après, tu sais, les gens, ils me disent, ouais, mais imagine, ta mère, ta famille voit ça, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh, moi, je connais pas votre famille. Hein. Mais moi, ma mère, je mets 10 000 euros en cash sur la table, je vous jure, à la fin, elle me dit, allez, vas-y, twerk, allez. Allez, ma fille, vas-y, cambre-toi, enlève ta culotte, continue. Mais oui, je crois même elle, à la fin, elle envoie ses culottes elle-même. Oh, millionnaire, ça fait rêver. Non, je vous mens pas, Nathalie, c'est mon idole. Hein. Moi, dans la vie, il y a Afida Turner, au-dessus, il y a Nathalie. Voilà, je vous le dis. Là, elle m'a fait rêver parce qu'elle a fait une interview, vous parlez de ça. Et à un moment donné, dans l'interview, Nat, elle dit « Ouais, d'ailleurs, je peux me permettre de l'appeler Nat, j'ai vu sa fouf, on est intime quand même. Voilà, je peux me permettre. » Là, à un moment donné, elle dit « Ouais, mon métier... » La blague est là. Elle dit « Mon métier !» Moi, j'appelle ça une douille, mais c'est pas grave. Non, elle dit « Mon métier, il se caractérise dans le social, il est d'utilité publique. » La sœur, elle croit que c'est Anne Hidalgo, mais elle est malade, elle, ou quoi? Et après, elle enchaîne, parce que le journaliste lui pose des questions. Enfin, je dis journaliste, je m'emballe un peu, hein. C'est Jérém Star, on va se calmer. Voilà. De ouf. Non, il enchaîne parce qu'il dit, ouais, Nathalie, est-ce qu'on peut dire que tu fais du porno? Tu vois, parce que moi, franchement, j'ai vu les vidéos, il y a du matos, hein. Ah, il y a des outils, des jouets, c'est Bob le bricoleur, la sœur. Hein. Et quand tu lui demandes si elle fait du porno, elle te dit, non, je suis modèle de charme. Nathalie! Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Pas nous! Franchement, ça, c'est le même genre de personne. Tu sais, des fois, ils viennent te voir et te disent « Non, moi, je suis pas une connasse, non. Je suis intolérante au gluten. » Voilà, pareil! Putain. Eh, l'argent, ça rend fou, faire attention, hein. Tu vois, moi, il y a une période de ma vie, j'avais plus trop d'argent, la semaine dernière. Et il y a un mec, il m'invite au resto, il m'a choqué. Eh, s'il vous plaît, soyez prêts, hein. Le prix du menu, il coûtait 300 euros. 300 euros le menu, ça vous choque pas, vous? Ben ouais, moi, je suis désolée, quand je mangeais, j'avais qu'une seule idée en tête, c'est demain, mon caca. Mais sera le caca le plus cher de ma vie. Eh, mon caca vaudrait plus cher que ma télé. Ouais. Ben, je peux te dire que le lendemain, j'étais à deux doigts de payer mon loyer avec ma crotte, hein, oh. Je peux pas payer des trucs chers comme ça, ça m'angoisse. En plus, vous avez vu comment ce moment, tout a augmenté dans les magasins, c'est pas fou. Il y a des trucs comme ça, ils coûtent cher, tu sais pas pourquoi. La dernière fois, je voulais acheter une poubelle. Tout le monde voit ce que c'est, une poubelle? Je vérifie, hein, comme je sais qu'il y a pas mal de cassos. Un grand bac en plastique, un couvercle, rien de fou. Hein. Eh ben, vous savez qu'une poubelle en plastique de 50 litres, c'est 50 euros? Ouais, 1 euro le litre, c'est de l'essence. Mm-hmm. Ouais. Eh, moi, je vous jure, hein, si je paye une poubelle au prix de l'essence, j'espère que je monte dessus, elle démarre. Hein. Ah, je fais le tour de Paris en poubelle, j'en ai rien à foutre. Franchement, je peux pas payer trop cher comme ça. J'aime pas dépenser. Vous aimez bien dépenser, vous? Non, on est d'accord, les Français, c'est des radins. Moi, j'ai un oncle dans ma famille, il aime trop dépenser. Le mec, il est tellement riche, il voyage dans tous les pays. Chaque pays, il trouve une femme, il lui fait un gosse. Sa famille, c'est Kids United, OK? Et tellement il sait pas quoi faire de son argent, l'année dernière, il a payé 5000 euros pour changer la couleur de ses yeux. C'est pas un truc de ouf, la chirurgie des yeux? Par contre, c'est flippant, hein. Le mec, il est bronzé, rebeu, cheveux noirs, yeux bleu fluo, et on dirait un Avengers. Allez, je m'arrête là-dessus, merci beaucoup, la cigale. C'est la joie de vivre incarnée. J'y s'implique. Ok. Merci. Merci. Bonsoir. Merci pour les applaudissements. Voilà. Super applaudissements. Voilà. Vous êtes tous très bons en applaudissements. Ça. Quoi d'autre? Il y a trop de cons.
Il y a trop de cons, c'est terrible, putain. Moi, ça me fatigue. Il y a trop de cons dans la vie, quoi. Oh, statistiquement, il y a probablement trop de cons ici aussi. Non, mais on peut pas y échapper, quoi. Peut-être un peu violent pour un départ. Non, ça, vous êtes encore avec moi. Je parle pas de vous, hein, quand je dis il y a trop de cons, ok. Je parle pas de vous, évidemment. Je parle de la personne à côté de vous. Mais non, non, il y a trop de cons, putain. Moi, ça me fatigue. C'est, moi, il y a un truc qui me fait du mal, mais physiquement, presque, c'est quand tu tombes sur un con qui a raison. La torture, quoi. Tu sais, quand tu tombes sur un mec qui te fait « Ah, t'es de Grenoble ?» Bah, tu dois connaître Céline. Non. Voilà. Je connais pas... Mais si, à Grenoble, Céline. Céline Gobert, il y a quand même 200 000 personnes à Grenoble, espèce de demeuré, quoi. Putain, tu sais, et c'est à ce moment-là que tu réalises, putain, je connais Céline Gobert. Ah, l'enculé, putain. Comment il fait, quoi? Je la connais. C'est... Ben, forcément, tu la connais. T'es de Grenoble. Hypercute au foie, mon gars. Tu peux rien dire. Tu ne peux rien faire. Il te reste plus qu'à fermer ta gueule, vraiment. À la fermer et à appeler Céline. Voilà. Céline, je suis avec Fred, là. Voilà, il te passe le bonjour. Oh, Fred, je suis trop contente. Je pensais bien que vous alliez vous croiser parce qu'il est à Paris, maintenant. Eh oui, Céline. C'est toi qui as raison, Céline. Toi et Fred. Hein? Et moi, apparemment, je suis un gros con. Ah, c'est terrible. Hein? Tu peux pas lutter, donc ça sert à rien. Faut se laisser aller. C'est terrible, quoi. Hein? Faut pas... C'est tout en souplesse. Hein? Faut juste accompagner le con dans sa chute, quoi. Hein? Faut jamais rien de frontal avec un con. Hein? Vous avez aucune chance. Je vous préviens tout de suite. Hein? Un vrai bon con, il peut te mettre l'humanité à genoux. OK, hein, le Covid, c'est un con. Il suffit d'un mec qui se réveille un matin et qui se dit « Tiens, est-ce que je me boufferais pas une petite bestiole de déglingo ?» Allez, RTT pour tout le monde. Voilà. Tiens, et le pire, c'est qu'il est peut-être même pas mort, le gars. Moi, c'est ce qui me chagrine le plus. Vraiment, c'est d'imaginer qu'il y a peut-être un mec en Chine qui a passé 2 ans à regarder les infos, à voir tous les aéroports qui ferment les uns après les autres, le monde qui s'écroule, quoi. Et lui, il est là comme un con devant sa téloche, en train de se dire « Ah, putain, faut vraiment que j'arrête de bouffer de la merde. » Espèce d'abruti, quoi. C'est même pas de la bouffe. Ça se voit sur le pangolin que c'est pas de la bouffe. Les pangolins, ça ressemble à des Santiago. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, quoi? C'est assez simple, hein. Il y a 4 ou 5 bestioles maximum qui sont de la bouffe. Le pangolin, c'est pas de la bouffe. Oh, les huîtres. Les huîtres, c'est pas de la bouffe. Putain, mais ouvrez les yeux, quoi! Les huîtres, ça ressemble à 4 fluides corporels que personne n'a envie de toucher. Oh. Donc, il y avait ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, je sais pas si... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver que 2 personnes se ressemblent, mais ils sont pas de la même couleur? C'est énorme, putain. À chaque fois, je me dis, putain, c'est bien, Ghislain, t'es pas raciste. Tu confonds 2 personnes, ils sont même pas de la même couleur? Putain, mais t'es vraiment un chic type, quoi. J'ai envie de le dire à tout. J'ai envie d'appeler les potes, je leur faire ouais, dis donc, tu trouves pas que Cédric il ressemble à Morgan Freeman? Bah, je sais bien que c'est pas la même couleur. Mais je dis ça parce que je suis ouvert d'esprit. Voilà. Et Sabine, à qui elle ressemble, Sabine, là, avec ses petites taches de rousseur? Sabine? Eh ben, Morgan Freeman, putain. Ah oui, parce que je suis pas sexiste non plus. Ok, merci de m'avoir écouté, la cigale. Bonne soirée à tous. Ciao! C'est un ouragan sur scène, Myriam Benoît. Bonsoir la cigale. Bonsoir la cigale.
bonsoir, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler d'un petit truc, là. Là, ça me chiffonne un petit peu. Ça va faire 4 ans que je suis avec mon mec. 4 ans. Pour moi, c'est fou, parce que, c'est vraiment, c'est... Là, je suis en train de dépasser un score. Franchement, 4 ans, il faut qu'il meure à un moment donné. Vraiment, il faut qu'il disparaisse. Je l'aime trop, en vrai, je l'aime trop. Mais tu sais, je me suis dit, 4 ans, normalement, tu connais bien la personne. Tu sais, on se connaît bien, t'as plus de secret l'un pour l'autre. Sauf que je me rends compte, malgré ces 4 ans-là, j'ai encore un petit secret, moi, pour lui. Et je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose. Moi, j'ai trop peur, mais trop, trop peur, qu'il tombe sur ma serviette hygiénique. Parce que je sais que les hommes, ils ont une perception visuelle agressive de ce truc-là, tu vois. Et on devrait leur apprendre ce que c'est que le cycle menstruel dès le plus jeune âge, comme ça, ils connaîtront mieux le sujet. Et nous, les femmes, on aurait beaucoup plus confiance en nous par rapport à ça, si vous connaissez mieux le sujet. Et également, leur apprendre à arrêter de rentrer dans la salle de bain comme chez leur grand-mère, en fait, tout simplement, d'accord? Apprenez à toquer, en fait. Tu sais, j'étais tranquillement dans la salle de bain en train de changer ma couche. Et tu sais, quand tu changes ta serviette, t'es fragile un petit peu, d'accord? Tu sais, faut pas nous imaginer en mode « Ouh, ma petite culotte ». Non, ça se passe pas du tout comme ça. Déjà, la position, elle est pas sexy. T'as le cul, il est interne, il est dans le coccyx, le... Le pantalon sur les chevilles, la culotte entre les deux cuisses était pleine de schlac, schlac, schlac. Les ailettes, elles s'accrochent, la culotte, ça rend ouf, ce truc. Et tu sais, moi, je suis une gueudin, des fois, je mets des strings. Frère, les ailettes, elles sont comme as sur le string. Il y a une fusion entre les deux. Jamais ça se scratch, jamais. Et c'est plus tu tires, plus elle est accrochée à la vie. T'as juste peur, c'est que d'un coup, elle lâche tout et elle vient se claquer à la cuisse, en fait. C'est tout ce que... Et là, tu te dis, ah ouais, le scotch, il fonctionne bien quand même, hein. Du coup, tu l'enroules, tu la poses sur l'évier, tu fais rac, rac. Elle s'est déployée au monde, en fait. À quoi elle joue? C'est quoi ce piège? Et pile poil à ce moment-là, Kay rentre. Doudou, il passe la porte, ni vu ni connu. Et il me cherche, il me dit, chérie, t'es là, en fait, les gars, si on est dans aucune autre pièce et qu'on n'a pas dit au revoir, c'est qu'il y a un indice, d'accord? On n'est pas là dans un tiroir en train de se dire, vas-y, chérie, trouve-moi maintenant, vas-y. Et il ouvre la porte brusquement, il me fait sursauter, son regard automatiquement, il se pose sur la cible. Du coup, moi, je check pour voir si c'est vraiment grave ou pas. Et là, je me dis, putain, c'est le deuxième jour en plus. Les garçons, si vous n'avez pas compris cette vanne, je vais vous l'expliquer, il n'y a aucun problème. Faut savoir, messieurs, que le deuxième jour, il y a un cadavre dans la culotte, ça fait peur, d'accord? Je donne ça autour du sang, frère, je sauve des vies, je sauve des vies. Et quand je vois ça, je panique. J'étais à deux doigts de jeter la culotte et lui dire, c'est quoi ça encore? C'est toi? Qu'est-ce que c'est ça? Et je sais très bien qu'en relevant le regard, je vais tomber sur un homme brisé qui va pas bien. Du coup, je relève timidement le regard et là, il craque, il se met à crier, non! Et il fait tout l'appartement en criant, non, non, non! Du coup, je me change, je me rhabille, je vais le voir, je lui dis, chérie, ça va? Il me dit, oui, non, mais t'inquiète, hein, je t'aime toujours. Il y avait un doute, je vais te gifler, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Après, il ose me dire, non, mais là, au moins, on a passé un cap. Parce que c'est eux qui déterminent quand est-ce qu'on passe les caps. Je crois qu'il a oublié que quand tu pètes sous la couette, tu me regardes avec le sourire, c'est déjà un cap, ça, en fait, mon pote. Il est fini, le cap. Il est fini, le cap. Je jure, il me parle de cap. C'est pas évident d'être une femme, en réalité. C'est pas facile d'être une femme, je vous jure. Après, on n'en parle pas souvent. Mais être un homme aussi, c'est pas facile. N'est-ce pas, messieurs? Meurs, meurs en fait, frérot, meurs. Faut que tu meurs maintenant. Non, mais c'est pas facile, c'est, t'as des hommes, les pauvres, ils arrivent pas à faire l'hélicoptère, par exemple. Ça, c'est... Et ils tournent, ils tournent, ils tournent, et juste ça claque, ça claque, ça claque, quoi, c'est pas... C'est pas facile, après t'as les impôts, t'as autre truc. Moi, vraiment, je pense que j'aurais aimé être un homme juste pour un truc. Pour essayer, tu sais, de me gifler la cuisse avec un corps annexe, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, je vais pas te mentir. Après, c'est pas évident d'être un homme, mais je pense que j'aimerais être un mec juste pour un seul truc. Quand un mec m'embrouille dans la rue, tu vois, quand t'es une femme, t'as toujours l'impression que si t'avais été un homme, eh ben ce mec-là, il se serait comporté différemment avec toi, d'accord? Je vais vous raconter une histoire, je vous jure, j'étais dans la voiture, dans les embouteillages, là, je m'arrête sur un passage piéton, t'as un mec très énervé, il vérifie que c'est une femme, il vient à ma fenêtre et il frappe violemment ma fenêtre. Pa, 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 pa. J'ouvre la fenêtre et là, il crache sur ma voiture.
Bon, j'avais craché avant, mais ça, ça n'a aucun rapport, en fait. Ça justifie pas le geste, d'accord? Et il se met à courir. Je le cherche. 10 minutes, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Et plus je cherche, plus j'ai envie de le tuer. Là, je le trouve. Je me dis, avant de descendre, faut que je trouve quelque chose pour me défendre, d'accord? C'est un homme en face. Je sais pas, un couteau, un sabre, quelque chose. Je trouve une bouteille d'eau. Je prends la bouteille d'eau, je lui cours derrière et je lui dis, viens là! J'arrive à son niveau et je lui dis, frappe-moi! Et parce que je connais la règle, je sais très bien que si c'est toi qui frappes en premier, c'est toi qui as perdu. Et je crois que lui aussi, il connaissait bien la règle parce qu'il m'a dit, toi, frappe-moi! Et là, je le mouille. Ça n'a aucun putain de sens, d'accord? On est d'accord? Si c'était une bagarre catholique, je te l'ai baptisé le truc, ça n'a aucun sens. J'ai voulu jouer la carte féministe dans le sens, ah ouais, tu t'attaques à moi parce que je suis une femme, hein, c'est beaucoup plus facile. Et là, il me dit, moi, je suis gay! Contre nous, il avait gagné, qu'est-ce que tu veux faire à ça? Même combat, merci à Cigale! C'était Marianne Benoît, merci la Cigale! Il sera à partir du 10 novembre au théâtre Trévise. Une ovation pour Az, s'il vous plaît! Bonsoir! Tonight, if I'm due back to see them leave. Coop, Coop, Miskin, voilà, Michael Jackson, Miskin. Coop, ça va? Oui. Vous êtes en forme? Oui. Génial, je suis très content d'être là, très content. Tout le monde est arrivé, tout le monde a trouvé de l'essence. Oui. Génial, génial, je suis content. En ce moment, c'est dur. Hein. En ce moment, très compliqué, très très compliqué en ce moment. Le sujet en ce moment, c'est l'Ukraine. Hein, on a sorti un peu de la série du Covid. On a une petite nouvelle série sympathique, l'Ukraine. Ils ont trouvé un truc génial avec l'Ukraine, c'est t'as vu aujourd'hui, dès qu'il manque quelque chose, ils te disent c'est l'Ukraine. Moi je savais pas que l'Ukraine c'était le pays le plus important du monde. Il y a plus de merguez, c'est l'Ukraine. Tu dis ah bon, c'est eux qui faisaient les merguez? Ils te disent oui, c'est eux qui faisaient les merguez, oui. Il y a plus de mayonnaise, c'est l'Ukraine. Il y a plus de moutarde, c'est l'Ukraine. Tu dis mais moi je pensais qu'ils faisaient que les putes, l'Ukraine. Non, non, ils font tout. Ils font tout. C'est une blague. Ils ne font pas que ça en Ukraine. Mais moi, ce qui m'intéresse en Ukraine, c'est que ça. Je vous dis la vérité. Alors, c'est comme la Thaïlande, personne n'y va pour les nouilles. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Moi, je suis très déçu de la guerre, je vous le dis. Très déçu de cette guerre. Très, très déçu. Pas ouf, les Russes. Hein. Pas foufou, en vrai. Hein. Moi, je m'attendais aux Russes un peu, truc, pas ouf. Puis, on leur a mis l'Ukraine, ils sont un peu en galère et tout. Pas la folie, les Russes, hein. Je suis très déçu, franchement, pas ouf du tout. Pas ouf, mal filmé en plus et tout. Pas ouf du tout. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est l'arme nucléaire. C'est vrai. L'arme nucléaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une arme que si tu utilises, t'as gagné. Voilà. Et avant chaque guerre, ils se parlent et ils se mettent d'accord. Ils disent, on fait la guerre, mais on n'utilise pas l'arme que si on utilise, on a gagné. Hein. Ils disent, OK, on fait la guerre comme ça. C'est génial. L'arme nucléaire russe, elle s'appelle Satan 2. C'est pour mettre un peu la température, voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est la 2. Ça veut dire, Poutine, pour lui, même Satan, c'était pas assez puissant. Il a dit, rajoutez 2 quand même, ils vont comprendre un peu. C'est ouf, elle arriverait en 200 secondes à Paris. 200 secondes. C'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'y croire. Parce que nous, à Paris, on a une arme qui est beaucoup plus puissante, qui s'appelle la Hidalgo 1. Et 200 secondes à Paris, même en prenant les voies de bus, c'est impossible. C'est fou, 200 secondes. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on fait si on sait qu'elle arrive pendant 200 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis sûr qu'il y a des gogoles qui vont essayer d'aller braquer la Fnac. T'as toujours des gens qui veulent braquer la Fnac. Tu sais, pour le monde d'après, ils vont lui dire « Vous avez de l'eau ?» Non, mais on a des PlayStation 5. 200 secondes. C'est fou. J'ai regardé si elle explose à Paris, cette bombe, elle explose dans un périmètre de 17 000 mètres carrés. Ça veut dire que la première ville sauvée, c'est une vraie info, c'est Chartres. Alors moi, je ferai partie des gens qui seront à la FNAC. J'ai bien réfléchi, je préfère mourir à la FNAC que vivre à Chartres. C'est sûr et certain. C'est fou, je te jure, c'est fou. 200 secondes, vous vous rendez pas compte. Je te jure, 200 secondes. Je sais pas ce qu'on ferait pendant 200 secondes. Moi, je sais pas, il y en a par applaudissement qui aimerait être prévenu si l'arme arrive. Qui par applaudissement aimerait être prévenu? Okay. Ça, c'est les gens qui pensent qu'ils ont un plan. Eux, ils ont une idée. Eux, ils savent pas ce que c'est. Eux, ils vont te dire, viens, on passe par là. C'est le nucléaire, tu vas aller où, frère? C'est ouf. Il y a des gens qui ont des idées. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont investi dans des panic rooms. Vous savez ce que c'est, les panic rooms?
Les panicrons, pour ceux qui savent pas ce que c'est les bunkers. Voilà. Si vous savez pas ce que c'est un bunker, là, je peux plus vous aider. Au bout d'un moment, on va pas faire toutes les définitions. Bunker, ça coûte 50 000 euros à peu près. 50 000 euros, c'est cher, hein. J'ai un pote à moi, il a investi dans un bunker. Il habite à Vitry-sur-Seine. Il travaille tous les jours à Paris. C'est à 40 minutes de Vitry. Ça veut dire que lui, il a investi 50 000 euros dans un bunker qui peut le sauver que si Poutine, il attaque le week-end. C'est un délire, il fait ce qu'il veut. Non, mais c'est un Mais moi, si je mets 50 000 euros dans un bunker, je te jure, je le chauffe, Poutine. Moi, je veux qu'il attaque, je veux le rentabiliser. Je le chauffe sur Twitter et tout, je fais des vidéos, petite salope, t'as pas les couilles. T'es mal les sacs de riz, fils de pute. Non, mais vraiment, Non, mais il faut le chauffer au bout d'un moment. Il le fera pas, il le fera pas, vous inquiétez pas, il le fera pas. 200 secondes, j'ai pas envie d'être au courant, moi, je te jure. J'ai pas envie. Je sais que je vais faire des trucs de fou. Moi, si on me dit ça arrive, je vais faire un truc de fou. Et je me dis, imagine, ils interceptent l'arme, genre 20 secondes avant. Et je dois me justifier au tribunal. Ils me disent, pourquoi vous étiez tout nu, monsieur, dans une voiture de police, à crier, Dieudo, c'est le meilleur, Dieudo, c'est le meilleur. Merci, La Cigale, passez une bonne soirée, merci beaucoup. Le prochain, je l'ai vu à la plage, il est aussi marrant en maillot que sur scène. Yacine Hitch. Ça va, La Cigale? Vous êtes chaud? Allez. Ça fait plaisir, voilà. C'est bon, merci. Bonsoir, je m'appelle Yacine, je suis alsacien. Wallah. Ça va ou quoi, La Cigale? Je vous jure, c'est quoi, j'ai eu 30 ans et je sens que j'ai eu 30 ans parce que j'ai des douleurs dans mon corps, tu vois, j'ai des problèmes. Je te jure, là, je suis allé voir un ostéopathe récemment. Première fois que je fais ça, je te jure, il m'a mis en culotte. Parce que moi, je me suis dit, c'est bon, c'est des médecins, tu vois. Culotte normale, c'est vraiment devenu la mode, quoi, les ostéopathes. Tapez dans les mains tous ceux qui ont déjà vu un ostéopathe ici, là, tout de suite, tapez. C'est abîmé, c'est incroyable, je te jure. C'est un raid, vous trois, là, culotte, toi aussi? Culotte, tu peux le dire, t'inquiète. Là, je te jure, je t'imagine en slip, en plus, ça, c'est dégueulasse. Je te jure, moi, je suis arrivé, il m'a dit culotte, tu vois, mais je lui dis, j'ai mal là. Je lui dis, il m'a dit rien à foutre, culotte. Bah, avec la fierté, tu connais, c'est vrai que j'ai des douleurs aux genoux en ce moment. J'ai baissé mon froc normal, c'était dur, quoi, je te jure. Mais je me suis dit, putain, c'est incroyable, c'est un médecin, il a le droit. Mais en fait, non, les ostéos, ils ont pas fait médecine. Voilà, c'est tout. J'étais dégoûté, ça. En fait, je suis pas bien un ostéo, quoi. J'ai vu un mec qui m'a mis en culotte, quoi. Incroyable, je te jure. Avant, il n'y avait pas ça, il y a 15 ans en arrière, on est d'accord ou pas? Il n'y avait pas ça, il y a 15 ans en arrière, là, tu vois, c'est la mode, genre, ouais, je vais voir un ostéo, nanana. Il y a 15 ans en arrière, il y avait quoi? Il y avait juste des mecs qui disaient, hey, t'as mal au dos, tu veux que je te soulève ou quoi? T'as même. On a tous connu un mec, il voulait absolument nous prendre, comme ça. Il voulait absolument nous prendre à chaque fois. Je te jure, dès que t'avais mal, si t'avais le malheur de dire oui, il était derrière toi comme ça. Il t'encercle, il disait, croise les bras, rentre la nuque, sinon ça marche pas. Et toi, t'es à fond dedans, comme ça. Et il te prenait comme ça devant tout le monde. Et il disait à l'oreille, alors ça te fait du bien? Il dit, non, lâche-moi là, c'est bon. Horrible. Je te jure, à 15 ans en arrière, il n'y avait pas d'ostéo. Parce que mon père, il travaillait à Peugeot. Pendant 35 ans, il rentrait tous les soirs, il avait mal au dos. Je te jure, 35 ans, il rentrait mal au dos. Personne ne lui a dit, tiens, ostéopathe. Voilà, c'est tout, on est pas... Je te jure, au maximum, ma mère, elle lui disait, t'as mal là? Il disait, ouais, pourquoi? Elle disait, moi aussi. Y'a pas, frère. Là, maintenant, tu vois des vidéos sur Internet, des mecs qui montrent alors qu'ils savent craquer le dos, je sais pas si t'as vu. Ils mettent une belle meuf sur une table comme ça, il lui dit, are you ready? Elle place sa jambe comme ça, elle fait, yeah. Il lui craque le... Elle fait, oh my God. Moi aussi, j'aimerais bien on me craque, je parle anglais, tu vois. C'est incroyable. Je suis allé voir un ostéo, tu vois, parce que j'avais mal à l'épaule, en fait. J'avais mal à l'épaule, tu vois. Je me levais le matin, je faisais comme ça, j'avais mal. Je sais pas pourquoi. Déjà, je sais pas pourquoi je fais ça, tu vois. Mais tu connais, il y a des gens qui disent, ah, j'ai trop mal quand je fais ça. Je dis, bah, arrête de faire ça, alors. Tu connais, ouais. Ah, là, j'ai trop mal, là, c'est abusé. Aïe. On dirait que tu te bats avec un fantôme, t'es aïe. Ah, là, j'ai trop mal. Même le médecin, tu vas le voir, il dit, vous avez mal où? Tu dis, je sais plus exactement, je te jure. Je sais plus exactement, je te jure. Ah, voilà, c'est là. Là, j'ai trop mal, j'arrive plus à attaquer les gens, là, comme ça. On est des malades. C'est comme quand t'as un bleu, t'es là, aïe. Tu découvres, ah, j'ai un bleu, ah. Aouh, aïe, ah, putain, ah. Des fois, tu proposes à des gens, appuie, j'ai trop mal, aïe.
Je suis allé voir l'ostéopathe, tu vois. Il m'a pas direct... Non. Je suis arrivé devant lui, il m'a dit, vous pouvez marcher. J'ai sous de ma gueule ou quoi, lui? Il m'a dit, non, vraiment, vous pouvez marcher et tout. Et je dis, bon, vas-y, je vais marcher, je connais marcher, tu vois, je marche depuis l'âge de 2 ans, tu vois. Et je recule, je vais pour marcher comme ça, j'ai eu peur, j'imagine que je marche mal. Parce qu'il me regardait vraiment comme ça, tu vois. Et il me dit, allez-y, monsieur. Je dis, non, là, j'ai pas envie, là. Il voulait vraiment que je marche. J'imagine que je marche comme ça. Il me dit, eh, mais c'est comme ça que vous marchez et tout. Moi, je suis là, mais je vous jure, c'est la première fois que je le fais devant quelqu'un. Après, il m'a dit, attendez, je vais voir votre épaule. Il arrive à mon épaule, il me dit, écoutez, faites ce que je vous dis. Il me dit, levez l'épaule, tout doucement, descendez, stop, remontez, stop, reculez. Il me dit, remontez, stop, descendez, stop, stop, remontez. Je dis, ouais, je suis en train de me garer ou quoi? À un moment, j'ai cru que j'avais touché, tu vois. Et là, il m'a dit, culotte, tu vois. Tu vois, il m'a dit, en fait, tout est lié. J'ai dit, vas-y, arrête de me dire, vas-y, continue. Il m'a dit, vous avez peut-être mal là, mais ça vient de là. J'ai dit, c'est vraiment une phrase de pervers. Il m'a dit, vous êtes peut-être mal là, comme ça. Il me faisait des cercles, comme ça. Il me disait, mais ça vient de... Moi, j'étais à fond quand j'étais comme as, tu vois. Et il me disait, mais ça vient de là, tu vois, comme ça. Je lui dis, putain, j'ai mal à la cheville, là. Je lui dis, là, quand je fais ça, j'ai mal, là. Et je crois que ça vient de là-bas. Il m'a dit, c'est-à-dire... Je lui dis, bah, je me suis tordu la cheville là-bas. Ils sont trop forts, hein. Tu sais, quand ils te demandent de déshabiller, ils te le demandent pas directement. Les médecins, jamais ils te disent, hey, toi, déshabille-toi, t'es là. C'est très subtil, il vient, il te fait, vous pouvez. Après, il te laisse. Je te jure, vous pouvez. Et après, il fait genre, il fait un truc comme ça, tu vois. Mais il fait rien du tout. Je te jure, c'est pour toi, en fait. Il fait rien. Parce que je lui ai demandé, vous faisiez un truc avant, il était maintenant, je faisais rien, je te jure. Et il y en a qui te disent, excusez-moi, vous pouvez. Et ils partent. Ils partent et ils te laissent tout seul dans la pièce, tu vois. Mais c'est trop bizarre. Déjà, tu t'enlèves pas tout de suite tes habits, tu vois. Tu regardes un peu la pièce comme ça. Tu dis, bon, on y va. Là, tu commences à enlever tes habits, mais tu te dis, c'est trop bizarre, parce que dans la vie de tous les jours, j'enlève mes habits, je mets un pyjama. Tu vois, jamais j'enlève mes habits et j'attends un mec comme ça. Il dit, un gars, il arrive, ça va être bien. Et le problème, c'est qu'il est parti. Il va revenir, du coup, je dis, comment je l'attends? Parce qu'il est parti, j'avais les mains dans les poches, tu vois, j'étais là, j'étais, vas-y, à tout de suite. Mais il revient, j'ai plus les poches. Je l'attends comment? Je sais pas, moi, comme ça, je sais pas. Comme ça, Mbappé? Je te jure, comme ça, j'attends comme ça, tu vois. Parce qu'il ouvre la porte, la première chose qu'il voit, c'est toi. Quand il ouvre la porte, c'est heureux, ils savent que c'est dur, hein. Parce que quand ils ouvrent la porte, jamais ils te regardent direct. Jamais il ouvre la porte, il fait ah. Toi t'es là, eh ouais. Non, il ouvre la porte, il y a toujours par terre, il est là comme ça. Toi tu l'attends dans le froid comme ça. Lui il revient, il fait genre, il fait encore un truc. Toi tu rentres le ventre, tu contractes, tu dis allez vas-y. Je sais pas pourquoi on rentre le ventre. On veut trop l'impressionner, il voit des corps tous les jours. Nous on dit là, le mon corps c'est mon corps, aujourd'hui c'est pour lui. On rentre le ventre comme ça, comme s'il allait faire. Waouh. Allez, merci beaucoup, je m'appelle Yacine Hitch. C'est un fait observateur de la société. Iles Mela, s'il vous plaît. Merci, c'est bon. Ça va? Cool? Ça fait plaisir. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux là, en ce moment-là. J'ai été invité à un truc, je vois pas, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Une gender reveal. Ouais? Vous pouvez me répondre, je prends un DVD. Hein. Si je pose des questions, vous me répondez, on avance ensemble. Après, peut-être vous voyez c'est quoi, et mon accent, il est tellement flingué que vous voyez pas ce que c'est. Une gender reveal. Ouais? Non, toujours pas? Ok. Vous avez vu sur Internet les vidéos, c'est pour annoncer le sexe du bébé à venir. Souvent, c'est des ballons qu'on explose. En bleu, ça va être un garçon, en rose, ça va être une fille. C'est bon, on a tout le monde? Enfin, je peux pas faire plus, hein. À part, on en fait une là, tout de suite, maintenant, sinon je peux pas faire plus, hein. Franchement, c'est de la merde, hein. Je te jure, on sait plus quoi inventer, hein. Je t'explique comment ça s'est passé pour moi, tu vois. J'ai grandi avec deux potes à moi d'enfance. Patrick, un Congolais, c'est lui qui a organisé la gender, tu vois. C'est un Congolais, du coup, c'est un Renoir, forcément, tu vois. Non, c'est important pour l'histoire, sinon je l'aurais pas dit. C'est fondamental, je te jure. Et Hamza qui est très arabe. Ça, c'est pas important, mais j'ai dit l'un, je dis l'autre. Je vous dis la vérité, comme ça, il n'y a pas de jaloux, tu vois. Et tu sais, Patrick, c'est quelqu'un d'assez spirituel.
le karma, les planètes et tout. Il a dit, les gars, écoutez votre cœur et vous saurez avec certitude si c'est un garçon ou une fille. Je dis, vas-y. Il a dit, si c'est un garçon, venez habillé en bleu. Si c'est une fille, venez habillé en rose. C'était ça le thème. Moi, je suis venu habillé en bleu. Franchement, rien à voir avec ces histoires, j'avais pas de rose, je vous dis la vérité. C'était trop simple. J'ai ouvert le placard, j'ai vu, j'ai dit, ah ouais, c'est un garçon. Hein. C'est tout. Tu sais, j'arrive à la soirée, tout se passe bien, je suis dans le thème, mais on peut pas commencer la fête parce qu'on a décidé d'attendre Hamza qu'à 30 minutes de retard. Et on est tous là à l'attendre. Au bout de 30 minutes, il débarque et il est venu habillé en noir. Je lui ai dit, frère, t'as rien compris. Il a dit, si, si, j'ai compris, il faut venir avec ses certitudes. J'ai dit, oh. Comment ça, tes certitudes? Il a dit, moi, je suis pas sûr que ça soit un garçon, je suis pas sûr que ça soit une fille. Par contre, il y a un truc, on est sûr. C'est que l'enfant, il va être noir, c'est sûr. Franchement, je suis honnête avec vous, transparent. J'ai été en fou rire pendant 20 minutes. J'ai trouvé ça trop drôle. Patrick, il a pas aimé. Il a pas aimé, il a niqué l'ambiance. Il a dit, vous êtes sérieux les gars, entre nous on se fait des blagues comme ça? C'est hyper raciste. Moi je lui ai dit tout de suite les grands mots. C'est pas raciste, c'est hyper drôle frère. Il m'a dit, ça peut être les deux en même temps. J'ai dit, ouais. C'est vrai, j'avoue, c'était flingué comme argument. On commence à débattre, on n'est pas d'accord. Il m'a dit, tu te rends pas compte comment c'est raciste. C'est comme si moi je viens à ta gender et je m'habille en couscous. Je dis, ça a rien à voir frère. Ça a rien à voir, ça c'est hyper raciste ça. Si c'est raciste, moi mon enfant il peut pas naître couscous, donc ça a rien à voir. Mais je lui ai dit, franchement, si t'arrives à t'habiller en couscous, pour l'effort je te laisse venir par contre. Je veux voir comment tu vas faire ça, ça va être incroyable. T'sais. On débat longtemps. Au final il a clos le débat, c'est simplement, je te jure. Je t'ai dégoûté, je déteste perdre des débats avec des potes à moi. Il m'en parle pendant 10 ans. Il a dit, les gars, c'est pas à vous de me dire si c'est raciste ou pas. C'est pas la personne qui donne le coup qui doit dire si ça fait mal. J'ai dit, oh le bâtard. J'avoue, hein. Mais t'aurais dû commencer par ça, on aurait gagné grave du temps par contre. Tu sais, j'ai essayé de détendre l'atmosphère et défendre Hamza un petit peu, tu vois, parce que c'était lourd. J'ai dit non, mais c'est bon, tout le temps t'en fais des caisses pour rien. En plus, il est même pas allé au bout de sa blague. Il a mis des baskets blanches. Je suis tranquille. Et Hamza, il a dit non, ça aussi c'est dans le calcul, si jamais c'est un albinos. J'ai dit waouh! Là, je peux plus nous défendre là. Passez une très bonne soirée, merci beaucoup, la cigale. Ciao. Vous pouvez voir son spectacle au Théâtre du Marais, Marc Rouget. Bonsoir la cigale, comment allez-vous? Oh, 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 ok. Je me présente, je m'appelle Marc et j'ai beaucoup travaillé dans le monde du travail. J'ai fait une école de commerce, je sais pas si vous voyez ce que c'est un peu. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est une cuite qui dure 4 ans et qui coûte 40 000 euros. Et la gueule de bois, c'est le prêt que tu rembourses pendant 10 ans derrière. Concept assez simple là-bas, tu prends ton cerveau, tu le mets dans un congélo. Pendant 4 ans, tu ressors de là, on dit t'as fait quoi? Des mojitos. Voilà, ça c'est le... Et puis après, moi, je suis parti dans le recrutement. Je suis resté 6 ans dans le recrutement et je sais pas pourquoi. Et à la fin, on m'a même mis manager. Et je sais vraiment pas pourquoi. Et les managers, c'est ça en fait. Hein. C'est des gens qui ont été promus parce qu'ils n'ont pas osé démissionner. Ou si à un moment ils ont essayé dans leur carrière, mais main molle, tu vois. Excusez-moi, y a quelqu'un? Parce que je voudrais partir en fait. Et t'as son boss au-dessus qui fait tut, tu vas pas partir mon vieux, on va te promouvoir, on va t'augmenter. Et c'est comme ça qu'il y a des managers qui restent et qui sont complètement nuls. Est-ce qu'on en connaît pour applaudissement des mauvais managers? Ah ouais. Ah ouais, tant que ça, ok. Ok, tu connais celui-là, tu sais pas si c'est un manager qui... c'est pas s'il manage une équipe de rugby ou s'il est en entreprise. Bon, ben nickel. Nickel, vous avez aplati des scores d'enfer toute l'année. Donc on va remettre l'église au milieu du village. Je suis allé débloquer les budgets, je suis allé voir la direction générale, c'est des copains. Et on va faire tous ensemble un escape game. Alors, il faudrait peut-être lui dire à lui qu'on a été enfermé pendant un an, tu vois. Se réenfermer, ce n'est pas un jeu, tu vois. Surtout avec Monique de la compta, tu sais. J'ai pas le code, j'ai pas le code. Mais meurs, Monique, meurs, et pas de... Tu sais, Monique de la compta, ça fait 30 ans qu'elle est en stage d'observation. Hein. Le seul truc qu'elle a bien rentré dans le système, c'est ses jours de congé, tu vois.
Les jours fériés, elle les connaît par cœur jusqu'en 2029. Elle est là. Cette année, avec les ponts, si tu poses bien tes 5 semaines, ça te fait 20 semaines. Ben non, Monique, recompte. Je peux vous donner aussi des petits conseils sur le CV, si ça vous dit. Ouais. Parce que sinon, le sketch, il est plus court. Hein. Donc, premier point, le trou sur le CV. Parfois, tu regardes les CV, ça fait... Et il y a écrit projet personnel. Alors, mettez pas ça. Mettez directement burn-out. Voilà. Transparence, quoi. Ou stand-up. Ce qui revient à peu près au même. Hein. Le petit break. On a tous rêvé de faire un petit break, tu vois. Et il y a cet ami à nous qui l'a fait, il est là. Ouais, j'ai fait un petit break, ouais. Ben ouais, j'ai breaké, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Tu sais, pour lui, il est parti en voyage. Pour nous, il est juste parti en couille. Hein. Il a pris de l'ayahuasca, le mec. Tu vois la boisson des chamans, là. Sauf que lui, il a pris ça, mais à Gare du Nord. Il est resté kéblo avec son train pour Erasmus. Et il est rentré de voyage juste pour te faire la morale, lui. Il est toujours habillé pareil, en escaladeur. Il a un mousqueton qui est accroché à son portefeuille. T'sais. Il te dit, non, mais moi, je suis pas attaché à l'argent. Je suis pas attaché à l'argent. Tu lui dis, non, mais attends, François, il y a un an, t'étais à la bread. Aujourd'hui, t'as des dreads. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, mais t'inquiète pas pour moi. Moi, je vais faire un business. Je vais faire des nœuds papillons en bois. Qui font aussi des capsuleurs. Ça n'existe pas, je te dis. Ouais, mais il y a une raison, je te dis aussi. Hein. La photo aussi sur le CV, la mettez pas. Hein, la mettez pas. Parce qu'il y en a qui prennent beaucoup trop de liberté par rapport à cette photo officielle. Il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée de se prendre en haut du Machu Picchu avec un lama en fond, directeur administratif et financier. Ben non, on va te mettre guide touristique de haute montagne, c'est mieux, tu vois. Et puis les hobbies aussi. Les hobbies, vraiment, je me suis rendu compte en 6 ans que la France s'éclate, quoi. Mais vous éclatez vraiment. Running, cinéma, lecture. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Une fois, j'ai une personne qui m'a mis « J'essaie d'élever une pie. » Mais sinon, running, cinéma, lecture, toujours. Est-ce que vous pensez que ça se passe comme ça dans le milieu du recrutement? Virginie, viens voir, j'ai une pépite, là. Écoute, j'ai imprimé son CV en grand. Elle s'appelle Clarisse. Elle a fait la color run. Mais c'est la course sur les quais où tu prends de la peinture sur la figure pendant 4 km. Mais tu te rends compte la résilience qu'elle a? Mais je l'appelle, elle est prise. Oui, bonjour, Marc Rouget du cabinet McFisher Price and Company. Ça va, je vous dérange pas? Bon, bah écoutez, vous êtes prise. Non, non, pas d'entretien. Non, j'ai vu le running. Pour moi, c'est bon, hein. Et puis ce projet personnel, je vous ai nous raconté. Et cette photo là avec toutes ces couleurs, c'était lors de la color run, j'imagine? Non, c'est votre maquillage, d'accord. Bon. Vous commencez lundi. Et tant qu'on y est aussi, les amis, les voyages, je me suis rendu compte vraiment que la France était un peuple de voyageurs. Ah, vraiment, les aventuriers qu'on a sur le CV, quoi. Voyage, 2 points, Espagne. Virgule, Portugal. Après, moi, j'ai aussi pas mal voyagé. Moi, je viens de Toulouse, à la base. Et je sais pas vous, mais moi, je me perds beaucoup dans Paris. Et un truc qui me rassure, c'est que les chats aussi... T'as des affiches de chats perdus partout. T'en as une, là, vous verrez en sortant. Nous avons perdu notre chat Félix. Et t'as la photo du chat Félix. Qui a l'air déjà perdu à l'époque. Hein. Si vous le retrouvez, appelez 06 10 37 48 29. Moi, maman, j'avais un peu de temps. Je me dis tout à l'heure, je vous attendais. Je me dis, je vais les appeler, tu vois. J'appelle, ça décroche et je fais... Miaou. Voilà, ça leur donne un peu de courage, quoi, tu vois. Tu leur donnes un peu de nouvelles. Merci beaucoup, la cigale, vous avez été sympa. C'était Marc Rouget, au revoir. Il joue tous les mardis au théâtre Le Métropole à Paris, avril. J'apprécie le moment. Je trouve que c'est important d'apprécier les petites choses. Je trouve qu'on apprécie de moins en moins les petites choses. Par exemple, ça vous arrive parfois de vous regarder dans le miroir et de vous dire « C'est moi !» Non ? Vous avez perdu votre sens de l'émerveillement ? C'est fou ! Alors se voir, c'est incroyable, c'est un luxe de dingue. Tu sais, avant, se voir, c'était dur, c'était rare. Si tu voulais te voir avant l'invention du miroir, il fallait que tu trouves un cours d'eau immobile. Parfaitement, un lac ou une flaque, c'était hyper technique. Avant, si tu voulais te voir, il fallait, du coup, prendre ton petit baluchon, faire 20 km de marche jusqu'au lac le plus proche, se pencher par-dessus la berge. Dans un rayon de 10 mètres, il y avait une grenouille sautée dans l'eau. Il fallait attendre 20 minutes de plus que l'eau se calme pour te voir à nouveau. Et tout ça pour te rendre compte que t'étais moche. Ah putain, mais quel enfer, quel cauchemar. Non,
pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les gens sont morts sans avoir vu leur nuque. Mais ça n'a pas l'air de vous. Dites-vous, non, pendant l'histoire de l'humanité, il y a plus de gens qui sont morts sans avoir vu leur nuque qu'après avoir vu leur nuque. Je trouve ça fou. Je trouve ça complètement fou. Vous avez tous vu votre nuque. Vous avez vu votre nuque ici. Et pourquoi? Parce que vous allez chez le... Eh oui, c'est chez le coiffeur qu'on voit sa nuque. Vous savez, grâce au fameux système des deux miroirs parallèles. Vous voyez? Tu sais, quand il passe derrière, vous voyez ce moment? Et nous, on profite jamais, je le vois bien, on est blasé. On est là, mais gros, je m'en fous de ma nuque. Je la vois que quand je viens chez toi, enchaîne, passe à autre chose, tu vois. Mais lui, il insiste parce qu'il sait. Il sait qu'il a fallu 100 000 ans d'évolution pour aujourd'hui avoir le privilège de voir sa nuque via deux miroirs parallèles. Mais bien sûr, évidemment, c'est pour ça qu'il insiste. C'est pour ça qu'il a dit, il va battre sa nuque, ce putain d'ingrat, là. Et nous, on craque, mais uniquement par faiblesse. On est là, d'accord, je regarde. C'est très bien, t'es nul, on est nul. Parce qu'avant, ils n'avaient pas deux cours d'eau parallèles. Ils n'avaient pas, donc ils ne pouvaient pas avoir leur nuque. Mais les pauvres, comment ils faisaient? T'es, ça veut dire qu'avant, si tu voulais voir ta nuque, il fallait attendre l'hiver. Trouver un bloc de glace, le polir pour que ça te reflète sans te déformer, ce qui est à mon avis plus technique qu'on ne le croit. Voilà. Prendre le bloc de glace, marcher 20 km jusqu'au lac le plus proche, espérer qu'il n'y ait pas de soleil, parce que s'il y a du soleil, la glace fond, toute l'expérience est caduque. Ensuite, fallait t'agenouiller sur la berge, soulever le bloc de glace par-dessus ta nuque, de manière à former deux surfaces parallèles avec le dessus de l'eau, sachant que si la glace glisse, elle tombe sur ta nuque, ta tête tombe dans l'eau, et là, t'étais mort noyé, mon gars. T'étais mort noyé. Et mourir noyé, c'est très agaçant, parce que si tu meurs noyé, tu peux plus voir ta nuque. C'est fou. Non, en plus, je dis n'importe quoi. Il y a déjà eu deux cours d'eau parallèles. Moïse. Mais si, il a pris son petit bâton, il a fait pouc, et ça a écarté la mer en deux parois verticales. C'est la première fois qu'il y a eu deux cours d'eau parallèles. C'est la première fois que les gens ont vu leur nuque, putain, c'est à ce moment-là. C'est sûr. Moi, je suis persuadé que dans leur exil, les Juifs, ils ont su apprécier ce moment. Je suis sûr. Tu sais, ils devaient être là, genre... Fuyez, les Égyptiens sont derrière nous. Hein? Un accord, donc c'est comme le dessus, mais sur l'arrière. Ok, d'accord. Bon, il parlait probablement pas comme ça, hein, mais bon. Voilà. Qui parmi vous connaît l'accent juif d'il y a 3000 ans? Personne, je m'en doutais. Ils ont vu leur nuque. C'est pour ça qu'on l'appelle le peuple élu. Kippa en yiddish, ça veut dire j'ai vu ma nuque. Bon, c'est pas vrai, mais ça aurait pu. Ça aurait été génial que ça coïncide avec mon histoire. Voilà. Je veux pas vérifier, je veux garder la surprise. Non mais aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on a du mal à apprécier les moments parce qu'on regarde plus le monde extérieur. On se regarde nous en permanence. On se regarde même à des moments où c'est pas nécessaire, franchement. On se regarde quand on se lave les dents. Pourquoi on se regarde quand on se lave les dents? C'est pourquoi? Peut-être c'est pour se repérer. C'est pour être sûr et certain de où sont nos dents. En général, elles sont dans la bouche, il me semble. J'ai encore jamais vu un enfant avec une canine sur le coude. Jamais. C'est vraiment de finis ta pomme. Oui, maman. C'est hyper bizarre. J'ai jamais vu ça. Vous imaginez si les dents étaient réparties aléatoirement sur l'ensemble du corps humain? Le cauchemar. Putain, brossage de dents 2h43. Ce serait une horreur. Et ce serait là genre... J'ai oublié une molaire. Mais l'enfer. Putain, le monde deviendrait fou. T'irais chez le dentiste, on va faire un détartrage. Enlevez vos chaussures. Mes chaussures? Comment ça mes chaussures? Des gens se plaignent dans la rue, genre « Ah, qu'est-ce que t'as? C'est sûrement une carie, là. » Des gens ligotés, genre « Ah, qu'est-ce qui t'arrive? On m'a mis des bagues, ah. » Enfin, on se regarde trop. Voilà, c'est... Et on pense jamais au miroir. C'est grave, ça. Parce que le miroir, il se voit jamais dans le miroir. Ouais. Parce que le seul moment où le miroir se voit dans le miroir, c'est chez le coiffeur. Ouais. Mais à chaque fois que le miroir se voit dans le miroir chez le coiffeur, qu'est-ce qu'il voit? Une nuque! Mais c'est insupportable, putain! Putain, mais elles sont partout, bordel! Il y a toujours... Peut-être qu'à force de voir une nuque dans le miroir, chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, le miroir croit qu'il est une nuque. Mais non, ça, pour le coup, c'est absurde. Merci de m'avoir écouté, passez une bonne soirée, merci beaucoup. Je suis arménien, il est turc, comme quoi on peut cohabiter, si tu t'excuses. Une ovation pour Uğur Köker, s'il vous plaît!
Bonsoir. Merci. Waouh, quel accueil. Pourquoi il y a des gens qui ont arrêté d'applaudir quand ils ont vu ma tête? La dernière fois qu'on a arrêté d'applaudir aussi brusquement, c'est quand je me suis levé dans l'avion au moment de l'atterrissage. Pour éviter de revivre ce moment, applaudissez-moi tous correctement, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci d'être sous mes ordres. Je vais commencer assez rapidement, parce que contrairement à tous les humoristes que vous avez vus, moi je sais que j'ai un faciès qui ne me permet pas de laisser de longs silences. Ça, c'est mon ex qui me l'a répété à chaque fois. Mzoumoud, s'il te plaît, quand tu me regardes, parle, parle. Articule, fais quelque chose de ta bouche. Parce que quand tu parles pas et que tu me regardes, je sais pas à quoi tu penses. Mais j'ai l'impression que t'as envie de tuer toute ma famille. C'est bien passé, hein, pour ceux qui ont des doutes. Je suis resté 3 ans avec elle. Elle est restée 3 ans avec moi. Parce que je lui ai dit, tu restes. Tu ne bouges pas. Chut. On m'a dit que pour maintenir un couple en vie, il fallait vivre des émotions. Du coup, en pleine journée, je baissais les stores. J'éteignais la lumière. Je me mettais dans un coin. Mais t'es là, c'est toi, chérie. Non, c'est le démon, maintenant. On s'amuse comme on peut avec cette tête. Je pense que vous avez remarqué, il y a un problème entre ce que je suis et ce que je dégage. C'est-à-dire qu'en règle générale, je me comprends, mais pas les gens. Et là, par exemple, je sais pas si vous rigolez sincèrement ou si vous avez juste peur des représailles. Et vu que ça rigole pas assez fort, il y aura des représailles. J'ai remarqué que j'ai pas la tête du premier contact depuis que je suis célibataire. J'essaie de draguer une fille dans la rue en venant, je lui dis « Hé, toi !» Apparemment, c'était pas le bon ton, parce qu'elle a commencé à courir. J'ai paniqué, je lui dis « Donne-moi ton téléphone !» Apparemment, c'était pas la bonne syntaxe, parce qu'elle m'a tendu tout son GSM. J'étais là « Oh non, je suis désolé en fait, je voulais juste ton numéro. » Elle m'a dit « Ah ça, c'est pas possible. » Je lui dis « Pourquoi ?» Elle dit « Bah parce qu'il y a mon mec qui est juste à côté. » J'ai regardé son mec, il m'a dit 07, 20, 30, 40, 50, 60... 06, 12, 20. J'ai dit, c'est pas fini. Il a dit non, ça c'est le mien au cas où si elle répond pas. Du coup, je suis conscient qu'avec cette tête, il y a plein de métiers que je peux pas faire en France. On est d'accord, la cigale? Oui. Bande de bâtards. Des métiers comme nounou. Si t'as rigolé, c'est que tu me confies pas tes gosses. En plus, j'ai déjà essayé de jouer avec un enfant. Je vous avoue, ça marche pas avec moi. L'effet de surprise. Hein. Après, il y a des métiers où on m'accepte beaucoup plus facilement, genre vigile. Automatiquement, si je me mets devant la porte, je peux recaler des gens. Je dis aux gens, tu rentres pas, et ils rentrent pas. La dernière fois, un monsieur m'a dit, mais il y a mes enfants à l'intérieur. Ce sont mes enfants, maintenant. Du coup, je me pose des questions sur ma carrière, parce qu'avec cette tête, je sais qu'il y a plein d'émissions de télé aussi que je pourrais pas faire. Ouais, marié au premier regard. Avec moi, ça va juste s'appeler premier regard. Ou baston de regard. Après, j'ai regardé, il y a d'autres émissions que je peux faire, genre Koh-Lanta. Ah, ça, vous validez apparemment. Ouais, j'ai le physique pour, mais j'ai pas le caractère. Tu sais, je les vois venir, les autres candidats. Ouais, il est pas sérieux. Avec sa tête, il met une mauvaise ambiance. Ça fait 3 semaines qu'il a le totem, il veut pas le rendre. Du coup, je suis obligé de me donner à fond dans l'humour. Je sais pas si ça marche de ouf pour moi. Là, je suis content parce que c'est une émission de télé. Mais juste avant, je vous avoue, je doutais un peu. Ouais. Juste avant de venir ici, je jouais sur un plateau avec plein d'autres humoristes. Je suis sorti, j'ai parlé à une fille du public. Elle m'a dit, alors, c'était qui ton préféré? Je dis, bah, c'était moi, madame. Vous m'avez pas vu? Elle m'a dit non, ne le prenez pas mal, je vais vous suivre sur les rejus. Je range ton téléphone, c'est moi, je vais te suivre. C'est moi, je vais te suivre. Du coup, je suis conscient que c'est les médias qui installent un peu ce clivage, ouais, avec cette gueule et ce corps. T'sais, maintenant, aujourd'hui, il y a plein de choses que je peux pas me permettre de faire à cause d'eux. Genre, notamment, rester fixe, plus de 5 minutes, sur une place publique, sans provoquer un mouvement de foule. Je suis le maître d'ambiance. Si je stresse, tout le monde stresse. Si demain Macron, il dit plan Vigipirate annoncé, je suis le pirate. Du coup, pour m'amuser, je me suis inventé un petit jeu pour faire passer le temps. Je vous donne vite fait les consignes. Ouais, je vous explique. Je me mets dans le coin d'une rue. Un peu sombre. Tu vois, ce genre de rue, tu dis, moi, j'y vais pas. Moi, j'y suis. Moi, j'y suis. La dernière fois, une fille, elle voulait passer. Elle m'a dit, excusez-moi, monsieur, cette rue, elle va où? Je lui dis, en enfer, hein, Mathieu. Je me mets dans le coin de la rue comme ça et je fixe les passants. J'ai appelé ce jeu le jeu de la Joconde. D'ailleurs, je suis allé voir la Joconde au musée du Louvre. Elle m'a regardé, elle a baissé les yeux. Bref, je gère la rue, c'est moi le boss. Des fois, il y a des gens, ils parlent un peu fort, je leur dis « Chut, pardon, pardon. » Du coup, je suis là « Oh, cours !» J'adore. Ça, c'est quand je t'aime bien, doucement. Mais quand je t'aime pas, j'augmente le niveau du jeu.
Hein, quand je vois que t'as une démarche arrogante, tu te la pètes un peu, tu parles mal aux gens. Je me baisse comme ça et je te fixe. Je te fixe. Et dès que tu transpires un peu, cours ! Et à ce moment-là, j'aime bien me mettre derrière et dire « C'est une rue sans issue !» Faut que je pense à changer de rue, parce que sur Waze, ils ont mis route bloquée. Le jeu, il marche plus, les amis. Hier, j'ai dit à un gars « Cours !» Il m'a dit « Non, non, non. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il m'a dit « J'ai déjà couru hier, me casse pas les couilles. » Merci beaucoup, c'était Oumoud Koker, les amis. Merci. Applaudissez tous les comédiens qu'il y avait ce soir, s'il vous plaît. Ce soir, il y avait Antoine Starkra, Islem Zeili, Julien Sabas, Sofia Bellavès, Ghislain Blic, Myriam Benoît, Az, Yacine Hich, Iliès Mela, Marc Rouget, Avril, Oumoud Koker. C'était Génération Paname. Merci au Panamar Café, à Kader Aoun Productions et à très bientôt, salut!